les fesses des femmes s'affaissent depuis un certain temps. Mais je vous le confesse, pas un ménil m'entend. Avouez qu'on a la chance dans ce petit coin de France d'avoir pour le grandiose, oui pour la beauté ose, oui pour le nirvana, de jolis culs comme ça. Le pétard de Suzanne, il n'est pas illicite. Son taux de THC nous emmène au zénith. Quant à celui de Lulu, il n'est pas mal non plus. Mais pour la l'apothéose, donnant dans le grandiose, oui pour le nirvana, c'est celui de Marina. Marina, c'est une copine. Pour la fesse fine de Claire, la fesse fine de Claire a des atouts peu chers. Quant à celle de Nora, c'est mieux que la morora. Et pas de mise en bière pour celle de Marie-Pierre, mais pour la beauté ose, donnant dans le grandiose, oui pour le nirvana, c'est celui de Marina. Pour la fesse d'Ouria, je crie hippipipoura, tout comme celle mutine de la petite Clémentine. Mais pas de mise en bière pour celle de Marie-Pierre, mais pour l'apothéose, donnant dans le grandiose, oui pour le nirvana, c'est celui de Marina. Mais aucun accessite pour celui de Bénédicte, sa fesse ecclésiastique sent bien trop l'eau bénite, ni le saint ou gélatine comme celle de Marine. Car pour l'apothéose, donnant dans le grandiose, oui pour le nirvana, c'est celui de Marina. Les courbes de Lydia, Anna, Lola et Ève, Virginie, Corinna, nous entraînent vers leurs rêves. Tout son monde merveille, ah j'oubliais Mireille. Mais pour l'apothéose, donnant dans le grandiose, oui pour le nirvana, c'est celui de Marina. Les fesses des femmes s'affaissent depuis un certain temps. Mais je vous le confesse, pas un ménil m'entend. Ah ouais, qu'on a de la chance dans ce petit coin de France d'avoir pour le grandiose, oui pour l'apothéose, oui pour le nirvana, de jolis culs comme ça.